Bon, il est 20h là. Bonsoir. Salut Facebook. Salut Instagram. J'espère que vous allez bien depuis hier soir. Pour ceux qui étaient là, et j'espère que vous allez bien tout court pour les autres qui n'étaient pas là hier soir, qui travaillaient ou qui faisaient autre chose. Donc, 25 avril 2020, on aurait dû être sur la scène du Zénith de Paris. En tout cas, on serait en train de flipper dans les loges en ce moment à 20h31. Donc, je suis quand même content qu'on passe cette soirée-là ensemble parce que une soirée super importante pour moi, pour toute l'équipe avec laquelle je travaille, pour la tournée, pour les musiciens, les techniciens, pour le public, j'espère aussi. Donc, j'ai une grosse pensée forcément pour les musiciens, pour Martial, pour Léo, pour Jérôme, pour Franck. Une grosse pensée pour les techniciens aussi, évidemment, pour Harold, pour Steve, pour Mathieu, pour Fred. Donc voilà, on se retrouve plus tard pour la tournée. Ça sera encore plus fort, je pense, une fois que cette grande vague sanitaire sera derrière nous, j'espère bientôt. Je touche du bois. Et voilà, on aurait dû être au Zénith de Paris. La date est repoussée donc au 22 novembre. Mais en attendant, on va se faire un petit live acoustique à la maison. Donc le Zénith de Paris, comme je suis à Paris, c'est quelque part, c'est un peu cohérent. Zénith de Paris, qui est quand même une salle ultra mythique pour tout le monde. Et j'aurais jamais imaginé un jour être programmé là-bas en tant que tête d'affiche. Une salle qui a été inaugurée en 1984 par un certain Renaud pendant des semaines. Et un certain Renaud qui 32 ans plus tard m'a passé un coup de fil qui a vraiment changé ma vie, on peut le dire. J'ai eu la chance de fouler cette scène-là avec lui beaucoup en première partie. Ce soir, il s'est passé beaucoup de choses depuis ces 4 années. Ce soir, c'était notre première en tête d'affiche. Donc forcément, on est déçus, très déçus. Et en même temps, on se dit quand même que quelque part, qu'il y a plus grave aussi. Déjà parce que le concert est reporté et puis parce que ce qu'on est en train de vivre... Dehors, c'est bien plus grave que ça. Et y a des gens qui travaillent, qui sont sur le front jour et nuit. Donc je crois qu'on n'a pas trop le droit de se plaindre par rapport à ça. Et du coup, je voulais démarrer ce petit Facebook Live par une chanson qui leur est dédiée. Sarah travaille dans un hyper, elle scanne des codes barres par milliers. Une petite main sur le pied de guerre, une fourmi qui range des billets. Comme le pays doit se nourrir, chaque jour elle repart sur le front. Payer au SMIC, ça va sans dire, quand on est de la chair à canon. Elle tient sa caisse et reste digne, fidèle au poste en première ligne. Moussa enfourche son scooter et s'en va livrer des sushis. Dans ses oreilles, les écouteurs pour quelques secondes de répit. Comme le pays s'est arrêté, aucune bagnole ne le klaxonne. Les éboueurs font leur métier, mais ils ne retardent plus personne. Moussa les salue d'un petit signe. On se comprend en première ligne. En première ligne. Suzanne, la nouvelle aide-soignante, faut voir comme elle trouve les bons mots. Elle est discrète, elle est patiente, avec les patients, les marmots. Comme le pays a besoin d'elle, elle porte la blouse collée au cœur. Ça fait 10 fois que sa mère l'appelle, mais qu'elle parle à son répondeur. Ma fille, par pitié, fais-moi signe. Je m'inquiète pour toi en première ligne. Le mec habite sur ce matelas. Son nom personne n'a jamais su. Il déambule ici et là, mais les plus braves ne l'approchent plus.
comme le pays sans souci guerre, qui peut bien crever sous la lune. Il boit un coup à l'abbé Pierre et pense aux copains d'infortune. Il reste chez lui, c'est la consigne. Dehors il dort en première ligne. Voilà pour la première. Ça devrait aller mieux. Après un petit verre d'eau. Bon, désolé, j'ai le petit amoureux qui grince un petit peu, mais ça fait partie du, ça fait partie des aléas du direct, on va dire. On va tout de suite enchaîner par une chanson d'amour. Je crois qu'on en a bien besoin en ce moment. Juste pour vérifier, est-ce que le son et l'image est OK pour tout le monde? Pas de grésillement, pas de problème de réseau, etc. C'est bon? On peut continuer tranquillou? Eh ben c'est parti, chanson d'amour, matinale. Pa-pa-la-pa, pa-pa-la-pa. Je fais des rondes dans mon café, à la cuillère, machine à gants, et je trouve ça beau à pleurer, de te regarder tout simplement, le pli de l'oreiller sur ta joue, les cheveux coiffés par ta nuit. T'es à la bourre mais tu t'en fous, la terre tourne encore comme tu dis. Et moi j'attends le grand moment, tous les matins je tombe amoureux, quand tu te glisses délicatement dans ton jean bleu, pa-da-da-da, pa-da-da-da, dans ton jean bleu. Tu sors de la douche en serviette et c'est déjà une œuvre d'art. J'en prends chaque fois plein les mirettes, je m'en remets deux jours plus tard. Si tu jouais la scène au ciné, t'aurais l'Oscar de la tendresse. Il me vient même quelques idées, pas catholique, je le confesse. Et moi j'attends le grand moment, ta fermeture éclaire mes yeux, quand tu te lis délicatement dans ton jean bleu, dans ton jean bleu. Tu te crayonnes devant le miroir, ça me fascine, ça m'éblouit. Je crois que ça rendrait fou Renoir, tellement le tableau est joli. Si seulement j'étais photographe, à capter l'instant suspendu, je te garderais la meilleure place dans mon affaire, bien entendu. Et moi j'attends le grand moment, toi tu en joues un tout petit peu, quand tu te glisses délicatement dans ton jingle. Il épouse tes jambes et tes fesses, il t'effleure, te colle à la peau. Il se gêne pas pour les caresses, y'a pas à dire, c'est un salaud. Si je suis jaloux comme un fou d'un bout de tissu, d'un pantalon, je me vengerai, mais après coup, en ouvrant moi-même les boutons. Et je profite de ce moment, je le fais glisser peu à peu, et je prends la place délicatement de ton jean bleu. Et je profite de ce moment où je peux lire dans tes petits yeux, viens prendre la place délicatement.
châtiment de mon jean bleu. Pa-la-la-la, pa-la-la-la. Merci à vous! Ah ben j'entends les applaudissements d'ici. Hein. Ça fait super bizarre, hein. Honnêtement, de jouer tout seul dans son salon et d'imaginer, je sais pas combien vous êtes, je vais essayer de regarder combien il y a de personnes en direct, mais il y a 4000 personnes. Ouais, bon, ben voilà, ça fait comme si on était dans un zénith, quoi. Pas du tout la pression. Forcément, samedi soir, soir de Zénith, ça donne envie de faire une petite surprise, donc je vous ai réécrit une petite chanson, rien que pour vous. J'en dis pas plus. Le suspense est insoutenable. Pourvu que tu sois bien installé, tranquillou sur ton canapé, pourvu qu'il n'y ait pas de problème technique, sinon sers-toi un gin tonique. Pourvu que tu cherches pas dans les coins où sont passés les musiciens. Je pensais faire mon deuxième zénith, mais cette salle me paraît tout petite. Pourvu que ça jette pas un grand froid de te retrouver rien qu'avec moi. Pourvu qu'internet tienne le coup, je suis pas en creuse après tout. Pourvu que j'arrête de massacrer mes vieilles chansons que je sais plus jouer. Pourvu que tu passes un bon concert et que tu prononces pas Gauvincer. Parce qu'on prononce pas Gauvincer. Pourvu que tu sois pas trop à cran d'applaudir derrière un écran. Pourvu que tu te rendes pas compte que je peux pas lire ce que tu me racontes. Pourvu que ce soit pas trop grillé, que mon coiffeur est confiné. Pourvu que les voisins débarquent pas. Pourvu que tu sois vachement ému d'avoir eu ton propre pourvu. Pourvu que tu comprennes tout à coup que ça devient sérieux entre nous. Pourvu qu'on traverse cette épreuve, y a pas d'amour, y a que des preuves. Et je dois t'avouer que depuis un mois, tu me manques un peu beaucoup, crois-moi. Merci beaucoup. Ouais, je bois beaucoup parce qu'on est samedi soir. Et n'allez pas croire que c'est de l'eau. Hein. Mais bon, on est en direct, donc il y a peut-être des enfants qui regardent. Et ben on va enchaîner. On va enchaîner, parce que j'ai pas vos réactions, j'enchaîne tout de suite. Une chanson que j'ai pas, qu'on joue pas en plus en ce moment sur cette tournée, donc j'en profite du coup de ce petit live intime et confiné aussi pour jouer des chansons qu'on n'a pas l'habitude forcément de jouer. Une chanson, peut-être une de mes chansons préférées du premier album, donc je suis content de la rejouer, et j'ai une grosse pensée... Une grosse pensée pour Clio, forcément, parce qu'on l'a chanté en duo sur cet album-là. On a vu grand, on a voulu se prendre pour Marianne de la Place de la République. On a essayé de la faire parler, en tout cas, et ça a donné ça. Si vous voulez faire la voix de Clio aussi derrière votre écran, c'est largement autorisé. Vous avez même le droit de chanter faux, parce qu'a priori, je vous entendrai pas. Je peux pas bouger, je suis déçu. J'ai toujours du monde plein les pattes. Des étudiants me grimpent dessus, sans aucun diplôme d'acrobate. Une petite vieille qui les regarde se demande que fait la police, sans remarquer qu'à l'avant-garde, le grand frisé c'est son petit-fils.
La serveuse a laissé ses tasses et me regarde en souriant. Elle a rendez-vous sur une place avec un tout nouvel amant. Et le clodo du coin aussi, quand il a terminé sa bière, qui pour me tenir compagnie, sans bien pisser sur mon parterre. Même en hiver je ne crains rien. J'ai toujours mon bonnet phrygien. Et puis cette foule que je vois d'en haut, quand elle m'entoure, ça me tient chaud. Ça fait 100 ans que je contemple ce qui arrive de rue du Temple. Et ça fourmille et ça galope, ça s'embrasse, ça grille des clopes. Y a des skateurs qui viennent squatter, et des photos qui sont ratées. Et y a des militants partout, maintenant des militaires surtout. Le jour où l'orage a frappé, moi j'étais aux premières loges. J'ai entendu Paris pleurer, et j'ai tremblé dessous ma toge. Il y en a pour me consoler, qui viennent ajouter des bougies. Moi pour me réchauffer les pieds, et ça éclaire un peu mes nuits. Ils viennent me chanter des chansons, et me veiller pendant des heures. Ils m'ont tricoté un blouson, avec des drapeaux et des fleurs. S'en prend aux journalistes qui l'interroge pour BFM. Vous voyez bien que je suis triste, respectez-moi un peu quand même. Non mais monsieur, je fais mon métier, je suis à l'antenne dans un quart d'heure. Et moi aussi je suis effondré, dit-il en piétinant les fleurs. Et puis près d'une kiosque à journaux, une petite voix s'installe. Papa, papa, regarde en haut, la dame elle montre les étoiles. Moi qui n'avais plus le moral, moi qui déplorais tout d'en haut, j'avais même pas vu les étoiles, là juste au bout de mon rameau. J'avais même pas vu les étoiles, là juste au bout de mon rameau. J'avais même pas vu les étoiles, là juste au bout de mon rameau. Je prends un petit verre d'eau. Bon, ça me fait plaisir de rejouer comme ça aussi des chansons que j'ai pas jouées depuis longtemps. Bon, y a eu un petit cafouillage, mais les puristes corrigeront tout seuls. Et puis je me dis quand même qu'il faudrait qu'on la rajoute à la setlist quand même, parce que j'aime vraiment bien cette chanson. J'aime bien les galeries de portraits et les chansons qui parlent de plein de gens différents. Il y avait le bus 96 aussi qui était un peu comme ça et qu'on joue plus, mais on la rejouera quand on fera une petite tournée acoustique, on va dire. Alors parfois, il y a des chansons qui mènent à des rencontres. Il y a des rencontres qui mènent à des chansons. Souvent, c'est dans ce sens-là, on va dire que c'est des rencontres, et puis plus tard, j'écris des chansons sur ces rencontres-là. Là, c'est un petit peu l'inverse. C'est la chanson qui a mené à la rencontre. Alors, c'est chouette aussi dans ce sens-là. Et avant de commencer cette chanson, j'ai forcément une immense pensée pour Marie-Agnès qui, je crois, nous regarde en plus. Donc voilà, je l'embrasse très fort. C'était un gamin comme les autres, et c'est tellement dur d'en parler. Je sais qu'au fond tout est de ma faute, comment j'ai pu être aveuglé. Je me repasse tout ce qu'il m'a dit, et tout ce qu'il a pu me cacher. Les longues heures sur son ordi, c'est là qu'ils sont venus le chercher. Et j'ai rien vu, j'en suis malade. Mon fils est parti au djihad. Et j'ai rien vu, j'en suis malade. Mon fils est parti au djihad. Il était comme tous les ados, plutôt gentil et réservé.
jamais une seule personne à dos, un ballon rond au bout des pieds. Il rêvait d'être éducateur avant de se faire endoctriner par leur discours de prédateur qui flaire la brebis égarée. C'est le cerveau en marmelade. Mon fils est parti au djihad. C'est le cerveau en marmelade. Mon fils est parti au djihad. C'était un gamin tout normal qui a grandi près de Vesoul. Puis la conversion radicale, le nouveau nom qui en découle. Je ne souhaite ça à aucune mère, c'est l'aller simple pour l'enfer. Je peux pas croire ce qu'il a fait, je peux même pas faire son lit des faits. Croyant aider des jeunes malades, mon fils est parti au djihad. Croyant aider des jeunes malades, mon fils est parti au djihad. Il avait l'âge des premières claques. Et toute ma vie s'est arrêtée quand j'ai découvert cette enveloppe. Maman, il faut pas t'inquiéter, je pars aider les jeunes Syriens. Promis, je t'écrirai bientôt. Je t'aime fort et puis plus rien, plus de nouvelles, silence radio. Je me vois pleurer à la brigade. Mon fils est parti au djihad. Je me vois pleurer à la brigade. Mon fils est parti au djihad. Mais merde, c'était rien qu'un gamin. Et hors de ma vue cette photo, avec un fusil à la main. C'est pas lui, pas mon Pierrot. Lui qui avait horreur du sang, qui aimait les jolies phrases. Il a tué des innocents, ils en ont fait un kamikaze. Il s'est fait sauter à Bagdad. Mon fils est mort au djihad. Il s'est fait sauter à Bagdad. Mon fils est mort au djihad. Merci beaucoup. Alors, avant d'enchaîner la chanson qui arrive, qui est vraiment un hommage à mes débuts quand je suis arrivé dans cette capitale parisienne, j'étais un petit peu comme un lapin dans les phares. Je pensais pas utiliser cette expression-là ce soir, mais c'est la première qui m'est venue, la plus adaptée, dans le sens où voilà, un Creusois qui débarque à Paris pour faire de la musique, tenter sa chance dans la musique. J'étais un petit peu perdu et il me fallait un lieu pour pouvoir jouer mes chansons, un lieu dans lequel je me sens bien et un lieu qui m'accueille quelque part. Et j'ai eu la chance de trouver ce lieu-là, un lieu qui m'a tendu les bras. Au-delà du lieu, c'est surtout une personne qui a été vraiment incroyable de bienveillance avec moi et de tendresse.
c'est Françoise du Connétable, et je pense hyper fort à elle en ce moment, parce que tous les gens qui sont dans la restauration, tous les gens qui tiennent des bars, des cabarets, des bistrots, sont en ce moment vraiment dans une période très compliquée, et on a besoin de ça à Paris. Sans ces cafés, ce serait pas Paris. Donc voilà, je voulais lui faire un salut à Françoise, si jamais un jour elle tombe sur cette vidéo, j'espère qu'elle le verra. Et puis surtout, je crois que c'est la première chose que je vais faire, une fois qu'on sera déconfiné, c'est aller lui faire un petit salut et boire un spritz avec elle, parce que c'est un peu notre tradition. Du coup, je me suis servi un spritz, voilà, en hommage à Françoise. Peut-être qu'elle est en train d'en boire un à cette heure-ci. Donc à la tienne, Françoise. Et j'ai hâte qu'on reboive ça ensemble, ce magnifique cocktail. Voilà. Et au-delà de ça, c'est vraiment un lieu magnifique, et ça méritait largement une chanson. Aussi pour rendre hommage à un des artistes que j'adore et que j'admire, qui m'a mis une des plus grandes claques, c'est Monsieur Alain Leprest. Voilà. Hop, je le range dans sa piole. Et c'est parti pour Françoise. Plein cœur du marais, sous des poutres apparentes, grand buteau c'est l'arrêt, si jamais ça te tente. À peine franchi la porte, qu'on s'y sent comme chez soi, comme dans le salon d'un pote, où le comptoir est en bois, et ça trinque au bon vin, devant l'écharpe de Maurice, jusqu'aux heures du matin, où les métros se remplissent, un peu comme chez le Prest. Quand on y est, on y reste, tout est beau, même l'ardoise, chez Françoise. On récite de vieux textes, de Dimé ou d'Alain, avec pour seul prétexte que leurs plumes font du bien. Et Françoise, elle revit de voir que des gamins apprivoisent des écrits qu'ont laissés les anciens. On truc ici, et c'est là que tout se passe. On est toujours assis, la même table, la même place, un peu comme chez le Prest. Quand on y est, on y reste, tout est beau, même l'ardoise, chez François. Faut baisser la tête pour aller aux toilettes. Les plus petits se sentent grands, juste le temps d'un instant. Il faut pas tourner le dos pour voir les vieilles photos. Les grands se sentent petits devant ces tronches de vie. Et quand la tourière sort, les cendriers cachés. Non, Paris n'est pas mort, personne ira dénoncer. Un peu comme chez le Prest, quand on y est, on y reste, tout est beau, même l'ardoise, chez Françoise. On mange des discussions et on parle plat du jour. On boit de la bonne chanson, on chante toujours. La guitare change de main, elle fait le tour de la table, comme l'aiguille fait le sien au mur du Connétable. C'est dans le fond de nos verres, il y traîne des oreilles, tous ceux qui sont en l'air sont nos plus belles bouteilles. Un peu comme si le Prest nous laissait quelques restes, un petit mot sur l'ardoise de François. C'était pour toi, Françoise. Le Connétable, 55 rue des Archives, pour les curieux. Bon, évidemment, c'est le genre de soirée qu'on passe chez Françoise. On a envie de refaire le monde.
on a envie de rester toute la nuit avec des copains. Et puis on est samedi soir, donc on va dire que la chanson suivante est quand même bien adaptée. Parce que souvent chez Françoise, on a un programme de prévu pour la soirée, et puis il y a un petit changement de programme qui s'opère. Donc si jamais ça vous tente, on va se diriger vers un changement de programme. J'essaye de regarder, je guette un peu vos réactions, hein, voir si vous êtes chaud bouillant pour un petit changement de programme du samedi soir. Ça sous-entend qu'on reste encore un petit peu ensemble ce soir. Hein. Voilà. Sortez les frigos, c'est parti. Sachant que dans cette chanson-là en concert, il y a un petit passage où il faut faire les la-la-la pendant le pont, donc n'hésitez pas à le faire derrière votre écran avec vos enfants ou avec vos grands-parents. C'est parti ! Let's go ! On va juste boire un ou deux verres, c'est ce que j'ai dit à ma petite femme, à l'heure où je vous écris ces vers. Il y a eu comme un changement de programme, on a tombé six bières chacun, sans oublier les trois d'avant, vous m'avez manqué les copains, faut vraiment qu'on se voit plus souvent, on va juste se boire un demi, ah ça commence toujours comme ça, quand les soirées deviennent des nuits, c'est pas prévu, ça s'explique pas, je devais filer à de bonnes heures, et maintenant je trinque à l'agneau. J'ai de la volonté, ça fait peur quand l'amitié prend par l'épaule. On refait le monde, on se rend la poire. Je t'en paye une, tu me la rends. Et on surjoue nos vieilles histoires quand on les raconte aux absents. Toutes ces conversations de bistrot, sûr qu'on les trouve pas dans les livres. Mais pour faire du coup d'Arimbaud, on se remémore nos râteaux. On a la confidence facile, l'articulation un peu moins. Toutes les consonnes sont sur un fil, pour les voyelles on verra demain. On a le regard 16/9, et pas les trous en face des cieux. Mais pour avouer les gars, je vous aime, il fallait bien que je boive un peu. La la la, la 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 la, la 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 la, la la la. La la la, la la la, la 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 la, la la la. Bon, je qu'on est juste éméché, quand serveur est tard qu'aussi sec. N'essayez pas de vous justifier, vous êtes déjà cramé les mecs. Après cette logique implacable, on est passé à l'addition. Le pourboire laissé sur la table, porte ce soir si bien son nom. On devait juste boire un petit verre, mais la vie fait des siennes parfois. Maintenant j'ai la tête à l'envers, un sandwich grec entre les doigts. J'avais prévu de pas rentrer tard, il faut toujours me prendre au mot. Il est à peine 7h moins quart, y'a pas d'île, c'est vachement tôt. La la la. Chut. Pour pas réveiller ma gonzesse, je tâtonne sur la pointe des pieds, avec toute la délicatesse d'un ours brun des Pyrénées. Je parle un dialecte inconnu, qu'elle est la seule à déchiffrer. Mais je crois que son cou m'a reconnu, elle sourit les yeux fermés. Demain je dirai plus jamais ça, elle me rira sûrement au nez. C'est la promesse d'un candidat qui est prêt à tout pour l'Élysée. Demain je dirai plus jamais ça, elle me rira sûrement au nez. Mais je vous avoue que rien que pour ça, je suis déjà prêt à recommencer. La la la. Merci beaucoup.
Dis donc, merci beaucoup pour les cœurs. Quelle ambiance de dingue cette soirée. ça donne envie de reboire peut-être une petite gorgée de jus de fraise, de jus de grenadine. Alors évidemment, c'était absolument pas une chanson autobiographique. Hein. Vous en doutez que j'ai puisé plutôt chez les copains quoi. Et en parlant des copains, c'est vrai que c'est une thématique que j'avais pas abordée dans le premier album, donc j'avais à cœur de rétablir un peu cette injustice-là, parce que les copains ont quand même une grande place dans ma vie en général, et puis encore plus avec ce qui nous arrive sur cette tournée-là. On a une ambiance de dingue avec cette équipe, et des amitiés se nouent très très vite quand on vit des émotions pareilles. Je voulais déjà jouer hier soir, mais j'avais envie de la rejouer parce que moi c'est ma petite préférée à moi, donc c'est quand même un petit peu moi qui décide quelle chanson je joue, donc voilà. Même si j'ai vachement pris en compte quand même ce que vous avez mis dans les commentaires hier soir, vous allez voir peut-être tout à l'heure. En attendant, évidemment, une chanson dédicacée encore une fois à Martial, une chanson dédicacée à David, à Armello, voilà. Le genre de copain dont on ne peut pas se passer. Et puis aussi une pensée pour Delphine, pour cette chanson. Mieux qu'une boîte de cacheton, qu'un antidépresseur, mieux qu'une blague à la con qui fait rire que l'auteur. Mieux qu'un de ces vieux bourbons qu'on sirote tranquillement. Mieux qu'un billet d'avion qu'on prend pour foutre le camp. Mieux que tout ça réuni quand la vie va pas bien, quand y'a rien qui sourit, y'a l'épaule d'un copain. Mieux quand on est sur les ondes sa chanson préférée. Mieux qu'une colère profonde, les assiettes fracassées. Mieux que n'importe quel psy. Mieux qu'un punching ball. Mieux qu'une pizza aussi, devant un match de football. Mieux que tout ça réuni, quand la vie va pas bien, quand y'a rien qui sourit, y'a l'épaule d'un copain. Mieux qu'un très bon calva, qu'une bouteille de grand cru, qui te font croire que ça va, mais demain ça va plus. Mieux qu'une clope à la fenêtre, qu'un carré de chocolat. Mieux que les phrases toutes faites, c'est la vie, ça passera. Mieux que tout ça réuni, quand la vie va pas bien, quand y'a rien qui sourit, y'a l'épaule d'un copain. Mieux que la solitude, qu'une partie de jambes en l'air. Mieux que toutes leurs études, tes appels de ta mère. Mieux que chialer un bon coup, mieux que tout garder pour soi. Et mieux qu'un marabout qui va te coûter un bras. Mieux que tout ça réuni, quand la vie va pas bien, quand y'a rien qui sourit, y'a l'épaule d'un copain. Merci beaucoup. Je reprends mon souffle un petit peu. Le merci beaucoup, c'est un peu un tic hein, de langage, hein, parce que je sais même pas si vous applaudissez derrière votre écran, mais j'essaye de simuler un petit peu ce qui se passe. On va enchaîner ?
Il n'y a pas de musicien qui arrive, hein, n'attendez pas, il n'y a pas de surprise. Hein. On est au Zénith, mais c'est un Zénith, Zénith canapé, quoi. Zénith canapé. Tout à l'heure, pour annoncer du coup ce direct, j'ai fait un post en mettant que si vous aviez des questions, j'essaierai de répondre. Alors, je répondrai tout à l'heure. Par contre, il y a deux personnes qui m'ont demandé de souhaiter un anniversaire, donc je vais le faire exceptionnellement, je le fais jamais. Mais il y a Marion qui a 8 ans aujourd'hui et qui devait venir au Zénith, donc ça m'a beaucoup touché. Je crois que c'était son premier concert. Donc un joyeux anniversaire à toi Marion, et j'espère que tu vas fêter ça quand même dignement avec ta famille, avec plein de belles choses. Et puis qu'on se retrouvera au Zénith en novembre. Et je ne sais pas si ce sera ton premier concert, mais en tout cas, voilà, j'espère que tu seras là. Je te fais des gros bisous. Et puis, y a Dominique aussi qui a 60 ans, je crois, aujourd'hui. Donc, ça me fait plaisir parce que du coup, il y a quelqu'un de 6 ans, de 8 ans, pardon, et de 60 ans. C'est un peu, de 7 à 77 ans, c'est la plus belle des récompenses d'avoir un peu tous les âges avec moi ce soir. Maintenant, je vais vous jouer ma chanson un petit peu porte-bonheur, sans laquelle peut-être il y a plein de gens qui ne seraient pas là ce soir. Donc j'étais obligé de la jouer, je l'ai revisité tout à l'heure, mais rien ne vaut un original. Pourvu qu'elle trouve pas ridicule la phrase marquée sur mon pull, pourvu que je lise pas dans ses yeux que ma casquette c'est pour les vieux, pourvu qu'il n'y ait pas un énorme blanc mais que je prononce intermittent, pourvu qu'elle prenne pas le premier train quand je vais lui dire je m'appelle Gauvin. Pourvu qu'elle me trouve pas couillon chaque fois que je cite le dîner de con, pourvu qu'elle connaisse Coq en stock et quelques jurons de ad hoc, pourvu qu'elle ait le sens de l'amour et qu'on ait pas de chagrin d'humour, pourvu qu'elle digère bien les huîtres, pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre. Pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre. Pourvu qu'elle lise les cartes Michelin. Pourvu qu'on s'échange nos bouquins. Pourvu qu'elle vole mon marque-page et qu'elle soit pas trop maquillage. Pourvu qu'elle parle à mes copains pour que ça devienne ensuite les siens. Pourvu que son père soit pas le sosie de Donald Trump, je vous en supplie. Pourvu qu'elle sache qui est le prêtre, pourvu qu'elle vote pas pour la peste, pourvu qu'elle s'entoure d'une écharpe que je respire avant qu'elle parte, pourvu qu'elle ait la larme facile, pourvu que ce soit une cinéphile, pourvu qu'elle prenne tous les coussins comme il est touchant d'un roussin, comme il est touchant d'un roussin. Pourvu qu'elle soit le genre de compagne qui part sur les routes de campagne où deux voitures peuvent pas se croiser, les bottes de foin, les bottes aux pieds. Pourvu qu'elle soit aussi de celle qui pense à remplir leur cervelle, qu'elle penche plutôt vers Modiano, qu'elle penche pas trop vers Christy Lambeau. Pourvu qu'elle veuille beaucoup de gamins, c'est dingue d'avoir des si petites mains. Pourvu qu'elle se moque un peu de moi sur ma coupe au bol d'autrefois. Pourvu qu'elle pianote le matin la BO d'Amélie Poulain, et pourvu qu'elle aime cette chanson autant que la voix de Gérard Darmon. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci beaucoup. Ok. Bon, cette fois, vous avez eu les deux versions de pourvu, donc vous pouvez parler. Je vais vous faire un petit peu, pour enchaîner un petit peu, là. Est-ce que... Alors, je regarde un peu les commentaires, voir s'il n'y a pas d'embrouilles, s'il n'y a pas de gens qui ont des problèmes de son, etc. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'être cool. Ok, super. Eh ben, on va pouvoir enchaîner. Pourvu, c'est un peu les questionnements de la rencontre, et puis
Une fois qu'on a rencontré quelqu'un, il peut se passer ça. Sur le premier album, je vous ai parlé d'un problème très très grave qui m'occupe au quotidien. Laissez-moi vous dire que c'est encore pire pendant le confinement. Quand elle appelle sa mère, c'est rarement éphémère. C'est pire qu'une meilleure pote, pour voir comme elle papote. C'est un drôle de moment. Allô ma petite maman, t'inquiète je bois pas trop, et je fais gaffe dans le métro. Quand elle appelle sa mère, toujours le même sommaire. Le boulot, les soucis, et au fait je t'ai pas dit. Ça peut durer des plombes, s'il explosait une bombe. Je suis pas sûr qu'elle raccroche, t'as vu quoi au cinoche? Quand elle appelle sa mère, 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 et qu'elle joue les vipères. Je tends un peu l'oreille, quoi, on fait tous pareil. Et souvent ça croustille, discussion entre filles. Je raconte pas le programme, elles en font tout un drame. Quand elle appelle sa mère, je deviens secondaire. Mais avec ce sourire, qu'est-ce que tu veux lui dire? Nouveau jean sur les fesses, discussion de gonzesse. Mais comme c'est toujours tendre, j'espionne pour les entendre. Quand elle appelle sa mère, 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 ça repart de plus belle quand c'est sa mère qui appelle. Je vous raconte pas. Quand elle appelle sa mère, je surveille mes arrières. Si j'ai vu les copains jusqu'au petit matin, et la vaisselle pas faite, ça peut devenir ma fête, comme je fais pas le fier. Alors j'appelle ma mère. Quand elle appelle sa mère, c'est rarement éphémère. Je peux faire un marathon ou écrire 5 chansons. D'ailleurs, faut que je termine ma petite mise en abîme, et mieux vaut me dépêcher. Je crois qu'elle va raccrocher. Voilà, je sais qu'il y en a quelques-uns qui avaient demandé cette chanson-là dans les commentaires hier, donc voilà, j'avais le cœur de la faire. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas joué. Un peu comme une vieille copine, on est content de la retrouver. Françoise. Ça va, vous en avez pas marre? Je continue? Il reste plus que quelques chansons, hein, donc profitez-en, combien j'en décompte. Ouais, bon, je vais pas le dire, mais il reste assez peu de chansons. On va bientôt se quitter, ça passe super vite. Une autre chanson que j'ai pas chantée depuis longtemps, donc je suis content de la rechanter aussi. Je la rechante parce qu'il y en a qui l'ont redemandé dans les commentaires encore une fois. Donc voilà. Voilà, je crois que c'était tout ce que je voulais dire sur cette chanson. Chanson qui est évidemment dédiée à mes voisins d'enfance. La famille Perbeau, j'espère qu'ils se reconnaîtront, enfin qu'ils se reconnaissent dans la chanson. Chanson en plus qui est d'actualité parce que c'est des gens qui sont encore sur le pont en ce moment et on se rend compte qu'ils sont indispensables et je crois que ça fait du bien qu'on se rende compte qu'ils sont indispensables, tout simplement. Voilà. Je répondrai à vos questions tout à l'heure. N'oubliez pas. Thank you.
déjà l'aube sur ta cambrousse. T'enfiles tes bottes, ta salopette. Le petit déj est pris sur le pouce. C'est ta routine 7 jours sur 7. On peut pas dire t'es à la bourre. Toi tu connais pas les horaires. Et toute cette terre que tu laboures appartenait à ton grand-père. Y'a longtemps que tu comptes plus les heures. À quoi tu penses sur ton tracteur? Y'a longtemps que tu comptes plus les heures. Sur ton tracteur. Tu revois ton père avec sa cote sur le pont à 6h du mat. Et sur la table une petite note. Sois sage, fiston, et fais tes maths. N'embête pas trop ta mamie. Tu seras gentil de l'aider un peu. Je serai là pour midi et demi, pile poil pour le pot-au-feu. Donc tu te rappelles encore l'odeur quand elle est grosse sur ton tracteur. Donc tu te rappelles encore l'odeur sur ton tracteur. T'as baigné dans une culture, c'est bien dans celle des haricots que tu éclatais à la dure sur une pile de vieux journaux. Mamie elle tricotait un pull en écoutant l'ancienne France Bleue. Tu mets toujours d'ailleurs ce pull, disons que ça te la ramène un peu. Tout comme l'émission de 17h que tu écoutes sur ton tracteur. Comme émission de 17h sur ton tracteur. J'ai toujours aimé la moisson. Et puis j'étais pas bien matheux. Je me suis construit une belle maison à 200 mètres de chez mes vieux. Je suis à la tête de l'entreprise aujourd'hui et j'en suis fier. À la télé ils parlent de crise, mais qu'est-ce qu'ils connaissent de la terre? Dans les bureaux des rédacteurs, ont-ils déjà vu un tracteur? Dans les bureaux des rédacteurs, ont-ils déjà vu un tracteur? C'est déjà la nuit sur ma cambrousse, je retire mes bottes, ma salopette. Mon fils suce encore son pouce, mais il s'occupe déjà des bêtes. Il aime pas bien les haricots, et encore moins les écrêtés. Il y a de plus en plus de vieux journaux, toujours un pull à tricoter. Et moi je me dis tout en bâillant qu'il faudrait que je dorme quelques heures, et que peut-être dans 15 ans, ce sera mon fils. Sur mon tracteur. Merci à vous. Alors, c'est là que je vais regarder un petit peu les questions, répondre à des questions que vous m'avez posées tout à l'heure. C'est aussi le but de ces petits lives. J'en ai noté quelques-unes. Donc, il y a Marie qui demandait... le confinement loin de ta campagne creusoise se passe-t-il bien? Alors oui, ça se passe bien, j'ai l'impression de ne pas être le plus à plaindre, même si évidemment d'être enfermé dans un appartement et de ne pas avoir de verdure, de ne pas avoir de nature, de jardin autour de soi, c'est un peu, bah, voilà, c'est un peu compliqué. En même temps, voilà, j'essaye de tenir le coup et de penser à ceux qui sont dans une situation encore plus compliquée, les familles nombreuses, ceux qui sont dans les enfants, avec des enfants dans des petits appartements. Ceux qui travaillent évidemment, ceux qui sont dans les hôpitaux, donc j'essaye de relativiser et puis d'écrire des chansons, c'est ce que je fais, et finalement mon quotidien ressemble pas mal à des périodes où je suis pas en tournée, où je suis pas en promo et où je suis en période d'observation, où j'essaye d'engranger des choses pour essayer d'ensuite les mettre en chanson, quoi. J'espère que j'ai répondu à ta question, Marie. Il y a Damien qui demande
Tu as fini par une chanson de Cabrel hier soir. Tu vas chez lui en octobre. Tu peux nous en dire plus? Alors c'est vrai, tu es bien renseigné, Damien. Je vais à Stafford en octobre. A priori, si c'est maintenu, je retouche du bois. Parce que tout simplement, les rencontres d'Astafor, c'est un lieu de création. Il y a des rencontres avec plein d'auteurs-compositeurs et on m'a demandé d'être le parrain d'une de ces rencontres. Donc je vais aller là-bas et puis passer quelques jours avec tous les auteurs-compositeurs, essayer de faire des chansons et puis on fera un concert aussi de restitution, a priori, là-bas, dans une formule assez légère, acoustique, comme ça, certainement avec Martial et Léo, j'espère. Voilà. Et j'ai hâte parce que Astafor, c'est vraiment un lieu que j'ai très envie de découvrir. Et puis Cabrel, Francis Cabrel, voilà, la chanson que j'ai chantée hier, Le Chêne Liège, c'est un monument, je trouve. Donc je suis très heureux, j'espère qu'on pourra la chanter ensemble. Ensuite, on m'a demandé, Gauvin, tu penses que l'on peut venir te voir avec des enfants à partir de quel âge? Ça, c'est difficile de répondre à cette question et en même temps. Au concert, parfois, il y a des gamins hauts comme trois pommes, donc je me dis qu'ils arrivent à tenir tout le concert, donc je saurais pas dire, peut-être faut avoir un casque anti-bruit quand les enfants sont vraiment en bas âge, mais sinon je crois qu'on peut venir assez jeune, même si on comprend pas forcément toutes les chansons, voilà, on les comprend plus tard. Moi, je me souviens d'être vraiment tout petit et de chanter des chansons dont je comprenais absolument pas les paroles, mais peut-être c'est les mélodies qui accrochent ou je sais pas, mais n'hésitez pas à venir en famille, je trouve que c'est hyper touchant comme image. Il y a Séverine qui me demande, quand penses-tu sortir le troisième album? Mon deuxième album est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a un an et demi, mars 2019, non, et même pas, il y a un an tout pile, donc c'est vrai que ça passe vite, il s'est passé beaucoup de choses depuis, entre la tournée, ce qui s'est passé avec la chanson Les Oubliés, il y a eu beaucoup d'émotions, mais... Donc j'essaye d'écrire des chansons, après de là à dire quand sortira un album, je sais pas, c'est encore trop tôt, mais en tout cas je travaille à des chansons, c'est ça le plus important, et vous en saurez plus, j'espère, bientôt. Olivier, en quarantaine et en première ligne feront partie du troisième album? Ça je peux pas répondre parce que c'est secret, et parce que je sais pas encore, ça dépendra de la couleur de l'album, etc. Donc pour l'instant j'écris des chansons, et puis quand j'aurai vraiment une colonne vertébrale, un ensemble qui ressemble à un album, ou quelque chose qui est cohérent dans l'ensemble, et ben... Je les intégrerai ou pas, et puis n'hésitez pas à me dire si vous pensez que ça mérite d'être dans un album. Lily, 9 ans, voudrait savoir à quel âge tu as commencé à jouer de la guitare. Alors j'ai commencé très tard, j'ai plutôt commencé par écrire en fait des textes, donc j'ai commencé la guitare vers 19, 18, entre 18 et 20 ans, je ne sais même plus exactement, mais ça m'est tombé dessus, c'était vraiment pas prévu, personne, je viens pas d'une famille de musiciens ni rien, et je suis tombé amoureux de cet instrument. Bon, vous voyez que je suis pas du tout un guitar hero, très loin de là, mais j'essaie juste de m'accompagner, de pouvoir faire des mélodies, c'est ce que je recherche avec cet instrument. Alors il y a Lil Wayne, qui a 4 ans, qui me demande pourquoi tu portes toujours ta casquette. C'est toujours les enfants qui ont les meilleures questions, il faut le dire, les plus touchantes en tout cas. Non, je la porte parce que pareil, elle m'est tombée dessus. J'étais dans un marché à Bruxelles où j'allais voir mon frère et je suis tombé. Je l'ai essayé comme ça, par hasard, de manière plus esthétique. Et puis finalement, je trouvais que ça m'allait bien. C'était au moment où je commençais à faire de la chanson à Paris, à commencer à jouer dans les petits cafés et tout ça. Et finalement, je trouvais que ça représentait bien l'univers, en tout cas du premier album, c'est-à-dire le mec originaire de la Creuse. Donc c'est un peu la casquette du campagnard et à la fois la casquette du Titi parisien, parce que je suis tombé aussi amoureux de cette ville. Donc il y avait ces deux côtés-là qui se mélangeaient bien et cette casquette représentait bien les deux faces, quoi. Voilà. Et il y a Guillaume qui demande si je joue encore au tennis. Alors j'essaye de jouer encore de temps en temps. Je suis vraiment amoureux de tennis, par contre, ça c'est clair. Je regarde beaucoup les matchs et tout ça. Même quand on est en tournée, j'essaye de pouvoir suivre un peu le circuit. Et j'adore jouer au tennis, je trouve que c'est un sport incroyable. Et j'essaye de jouer l'été quand je rentre entre deux festivals, quand j'ai le temps. Mais j'adore ça. Ouais. Bon, on va faire quelques chansons quand même pour finir, puisqu'il paraît que vous êtes là pour ça. Il en reste une ou deux ou trois, ça dépend si vous êtes gourmand ou pas. Une chanson que j'ai déjà jouée hier, mais j'avais envie de la rejouer aussi parce que j'avais envie de la jouer. Voilà. Faut pas toujours justifier ses propres choix.
On est sur une brève de comptoir là. En plein live, confiné, à la maison. Allez, c'est pas du tout une chanson drôle, donc coupez. Je pense à toi, mon amour, quand tu fouilles ton placard. Quand t'hésites tous les jours, entre un jean et une robe noire. Tu te poses la question, est-ce qu'on va m'emmerder? Et c'est le genre de question que tu devrais pas te poser. Je pense à toi, mon amour, quand tu marches dans la rue. Tu fais semblant toujours d'avoir rien entendu. Et t'accélères le pas, on te siffle, on t'insulte. Et ça joue les gros bras, et ça se dit adieu. Et ça se dit adulte. Je pense à toi, mon amour, quand tu rentres en métro. Avec tous ces vautours, aux instincts d'animaux. Je voudrais prendre ta place, que t'es plus à subir. Ces regards dégueulasses, qui t'empêchent de dormir. Je pense à toi, mon amour, mais je suis bien impuissant. La connerie court toujours, et elle me glace le sang. Mais dans quel monde vit-on, pour qu'une femme se demande ce qu'elle peut porter ou non, sans devenir un bout de viande. Sans devenir un bout de viande. Excuse-moi mon amour, pour ces heures de dilemme. Tu trouves pas ça trop court, est-ce que je la mets quand même? La liberté d'une femme est à jamais absente, dès lors qu'elle s'interdit d'être une femme élégante. Excuse-moi mon amour, pour cette flopée d'embrouilles. Ça cache presque toujours un sacré manque de couilles. Ça pourrait être leur sœur ou leur fille sur cette route. Quand on insulte une femme, on les insulte toutes. On les insulte toutes. Excuse-moi mon amour, d'être de la même espèce que ces coqs de basse-cour, que ces sales brutes épaisses. Mais la tendresse d'une femme sera toujours plus belle que la bêtise infâme des hommes sans cervelle. Excuse-moi mon amour, excuse-moi pour toutes celles, celles qui flippent au détour d'une sombre ruelle. La liberté d'une femme, qu'elle soit brune, qu'elle soit blonde. La liberté d'une femme, ça vaut tout l'or du monde. Merci beaucoup. Bon, et ben on glisse doucement vers la fin. Une petite gorgée parce que j'ai très soif. Mais en tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux. Je crois qu'on est aussi nombreux depuis le début, donc c'est hyper touchant de voir que vous êtes restés aussi longtemps. Et voilà, c'était important en tout cas pour moi de marquer le coup. Marquer le coup de ces deux soirs que j'avais marqué vraiment au fer rouge sur un calendrier. Ça fait plus d'un an qu'on sait qu'on allait faire ces zéniths là. Je vous le redis, hein, ils sont juste reportés, mais voilà, ça nous a mis un petit coup quand même derrière la tête de pas faire ces soirées là avec vous. Donc la soirée à Limoges, je répète, est reportée au 3 octobre et la soirée de Paris est reportée le 22 novembre. Et ça va être encore plus beau, j'espère. Voilà, il me reste deux chansons, une chanson sûre et puis une autre chanson si jamais il y a un rappel. Une petite surprise parce que pour le coup, je me mets un petit peu en danger sur la dernière chanson. Là, c'est une chanson que je pouvais absolument pas ne pas jouer parce qu'elle porte le nom de cette tournée finalement. Et je pense à tous ceux tous ceux qui devraient être dans des écoles aujourd'hui, pas dans des écoles qui ferment, dans des écoles qui devraient être ouvertes. Voilà, une grosse pensée pour tous les enseignants, on se rend compte qu'ils sont fondamentaux à l'équilibre d'un pays. Pareil pour les hôpitaux, pareil pour tous les gens dont on ne peut pas se passer. Et forcément, cette chanson leur est dédiée. Et j'espère que les gens qui sont tout là-haut, prendront clairement conscience de ce qu'on est en train de vivre et prendront des mesures pour que ça change. Et voilà,
pour que les gens soient un petit peu plus considérés, ça serait peut-être pas mal, et qu'on revienne à des choses un petit peu plus humaines aussi, ça serait pas mal non plus, je trouve. Ok, bon, j'arrête de faire des longs discours. Une chanson vaut mieux qu'un long discours, il paraît. Et je pense à toi, Jean-Luc, évidemment. Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un hostie. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés. Et trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre première classe. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne est paumée, et trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, des ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bonbecs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne est paumée, et trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des soufis. Qui ferment les écoles, les cravates et du col sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne est paumée, et trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne est paumée. On est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'institut du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. On me dit dans l'oreillette que Stéphanie était connectée aussi, donc je la remercie énormément. Stéphanie qui est évidemment la collègue de Jean-Luc, qui a été aussi une magnifique rencontre. Voilà, il y a eu cette chanson et après il y a eu la rencontre, c'est ça aussi la beauté dans les chansons parfois, c'est ce qui se passe après. Et j'ai leur visage devant les yeux à chaque fois que je chante cette chanson, et c'est juste des gens incroyables qui font leur métier avec passion. Alors putain, arrêtez de fermer leur classe quoi, merde. Voilà, c'était le petit coup de gueule du samedi soir. Avant de vous faire une dernière chanson, si jamais il y a un rappel d'ailleurs, je regarde si jamais vous voulez un rappel. Est-ce que vous voulez que je me mette en danger sur ce rappel? comme si c'était pas assez dangereux de jouer devant 3 ou 4 000 personnes sur Facebook. Non, avant de me mettre en danger, je voulais faire un remerciement à tous les gens
Tous les gens qui relayent en ce moment le direct, il y a plein de gens qui nous ont soutenus pour ça et c'est chouette parce que voilà, ça permet à plein de gens de pouvoir nous suivre sur plein d'endroits différents. Donc je remercie énormément Ouest France qui a été un relais super et qui nous soutiennent depuis le tout début. Donc un grand merci à eux, un grand merci à l'humanité et longue vie à ces journaux-là parce qu'on a besoin aussi de la presse écrite. Je sais que voilà, on lit tous les journaux aujourd'hui sur nos ordi et tout ça, mais avoir le journal du matin aussi, c'est pas mal quand même, avec le café. Un grand merci à France Bleu Creuse, évidemment, France Bleu Limousin, et putain, ça me manque de pas être en Creuse, donc je pense bien fort à vous, et j'ai hâte de revenir vous voir. Merci de me soutenir aussi depuis le tout début, et c'est juste un département magnifique, mais faut pas le dire à trop de monde, parce que on voudrait pas qu'il soit surpeuplé, ça serait dommage, ça gâcherait tout. Merci à France 3 Aquitaine, à France 3 Limousin, à France 3 Poitou-Charentes, à Ticketmaster aussi, et au Zénith de Paris aussi d'avoir relayé cette soirée. On aurait dû être ensemble, mais on se retrouve très vite. Voilà, et puis voilà, je garde le meilleur pour la fin. Un grand merci à vous d'avoir été si nombreux devant ce live, c'est juste dinguissime. Je pensais pas faire ça honnêtement un jour. J'étais comme ça avant de jouer. Il y a forcément des petits cafouillages, des trucs, mais c'est les aléas du direct. Je suis super content de l'avoir fait, super content d'avoir pu jouer des chansons comme elles sont écrites, à nu, me mettre à nu. C'est une image, évidemment, mais me mettre à nu devant 3000 personnes, c'était vraiment chouette. Et on va quand même finir en chanson, parce que quand même, depuis deux soirs, vous avez un des plus grands auteurs-compositeurs depuis la nuit des temps. Derrière, j'adore cette photo. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être sympa de faire une petite chanson de Bobby pour finir. Une chanson que j'adore, je pense que c'est une de mes 10 chansons préférées. Un jour, je vous dirai quelles sont mes 50 chansons préférées. On se fera un petit blind test ensemble. Et je pense que cette chanson sera dedans. J'adore cette chanson parce qu'elle est complètement sans artifice, guitare-voix. Le texte est magnifique. Regardez la traduction sur Internet si vous ne parlez pas anglais. Et puis voilà, je vais arrêter de parler et je vous remercie encore 1000 fois d'avoir été là. Et on se retrouve en concert. En vrai, c'est quand même vachement mieux. C'est parti. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove say before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it's washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head at Britons and he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many hills must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The end. My friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Et voilà, un immense merci à vous d'avoir été là hier soir, d'avoir été là ce soir, et puis prenez bien soin de vous, restez chez vous surtout, c'est hyper important. Et je vous donne des nouvelles sur les réseaux sociaux en attendant de se voir en vrai en concert et avec des nouvelles chansons, tout ça. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches, de vos familles, respectez le confinement et voilà, quoi dire de plus. Je vous embrasse, ciao. Merci à vous.